l'unique héritier. Dans le courant du mois d'octobre, James Middleton, frère de Kate Middleton, et son épouse, la Française Alizée Thévenet, sont devenus parents pour la première fois. Et s'ils ne sont pas les premiers de la famille à accueillir un enfant, leur fils, prénommé Inigo, est le seul du clan Middleton à recevoir un précieux héritage, comme l'a souligné le magazine Hello, dans un article publié samedi 28 octobre. Contrairement à ses cousins George, Charlotte, Louis, les enfants du prince et de la princesse de Galles, Arthur, Grace et Rose, les enfants de Pippa et James Matthews, le nouveau-né est le seul à porter le nom Middleton. Les six enfants de ses deux sœurs portent quant à eux respectivement les noms de Wales et de Matthews. En effet, en étant le seul descendant masculin de la famille, James Middleton assure au septième petit-enfant de Carol et Michael Middleton de perpétuer ce patronyme. Des parents fous de joie dans un carrousel de photographies publié sur son compte Instagram, le frère de la princesse de Galles a annoncé l'arrivée au monde de son premier enfant. Sur la première image, on voit le Britannique de 36 ans tenir dans sa main celle de son fils, et une médaille représentant sa chienne Ella, décédée il y a quelques mois. Sur le second cliché, on voit les quatre chiens du couple, qui s'est dit oui en septembre 2021 dans le sud de la France, rassemblés autour du couffin de l'enfant. Enfin, sur la troisième photographie, le jeune papa pose face à l'objectif, tenant son enfant dans un porte-bébé, toujours accompagné de ses fidèles compagnons. Pour accompagner le triptyque, l'entrepreneur a écrit un tendre message plein d'amour, « Il est dans nos vies depuis seulement quelques semaines, mais elles ont été les plus spéciales de ma vie pour apprendre à connaître notre beau petit garçon », a-t-il d'abord écrit. Et de poursuivre, peu importe à quel point je pensais être préparé. Je n'étais pas préparé à l'émotion accablante face à la rencontre d'Inigo pour la première fois et à l'amour pour ma chérie Alizée, alors que nous sommes désormais trois. Dans la suite de son récit, l'homme d'affaires a évoqué son chien disparu, avant de souligner le chaleureux accueil réservé par les quatre autres à leur petit frère au sein de leur meute. Pour finir, le beau-frère du prince William a tenu à remercier l'équipe médicale de l'hôpital de Basingstoke, qui les a accompagnés dans cette étape de la vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK.